Bonjour, c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 7 du Let's Play Les Survivants sur Unturned, sur Irlande, en compagnie de Grizzix, Burning et Falcon. Coucou. Tu joues le mouton ? Et comme vous le voyez, j'ai un petit peu de hauteur. Parce que on a continué la maison, en off pour pas vous embêter, sinon ça allait prendre des plombes. On avait une belle grande maison, on va aller voir juste vite fait comment c'est fait. Voilà, donc ici vous avez la cuisine. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. On a les chambres en face. On a ma chambre qui est là sur le côté parce qu'il fallait 5 chambres et vous avez vu que ça rentre pile, enfin il n'y a que 4. Plus l'escalier qui est ici. Alors le balcon on fait pas le tour, hein, c'est juste un balcon. Voilà. Qui fait le tour de la maison. Ici la salle des coffres. Alors on a vidé tous les bus et tout qui étaient en bas là, les bus, le fourgon, tout ça, j'ai tout mis ça là. Nickel. Je savais pas qu'on bien avait propre. Plusieurs bus. Ouais, les bus, les vannes, enfin les véhicules quoi j'allais dire. Voilà. On voit pas grand chose, par contre je vais mettre un peu de lumière, voilà. Faudrait mettre des torches et peut-être des vitres. Par contre, faut regarder le craft des vitres. Mais ça, c'est autre chose. Bon, bref. Donc ça, c'est la salle des coffres. Et en bas, on a le garage, le hangar. Alors, je vous le dis déjà aussi, c'est pour jouer RP hein, que j'ai fait ça. Parce que c'est moi qui ai pris la décision de faire ça. Et il y a deux niveaux. C'est juste pour que les armoires qu'il y a sur le bus passent. Alors qu'en fait, elles passeraient nickel. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'elles traversent le sol aussi. C'est peut-être pas beau. Bref, donc du coup, un joli hangar. Avec deux murs de haut. Voilà. Tada. Tada, voilà. Bon, et donc du coup, on va faire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? Ah oui, les quêtes. On va passer enfin aux quêtes. Sauf que je me stuff un peu avant quand même. Alors, si du murage, j'ai un couteau, ça va aller. Si un couteau et de la bouffe, il me faut de la bouffe. C'est l'occasion justement d'aller regarder dans les coffres. Messieurs, pendant ce temps, préparez les véhicules. Hein. Ouais, on prend juste le craft un réservoir d'essence aussi. On en a craft plein d'ailleurs. Alors la bouffe, c'est pareil. Non, mais je parle un réservoir. Ah, réservoir. On est bien niveau bouffe. Hein. J'ai un GPS aussi, hein, pour ceux qui ne se rappellent plus. Ce qui va nous être fort utile. Encore que. Bref, je prends 3 boissons, on ne sait jamais. Voilà, 3 boissons de merde. C'est quoi ce bois qui est par terre là? Mais il y a un coffre à bois déjà, Burning. Ah ouais, mais. Tu sais pas où c'est qu'il est. Bon, alors c'est la boisson qui va nous manquer, hein, je vous le dis. Parce que la bouffe, c'est pas un problème. Alors, après, on a les légumes. Donc, les légumes, ça a apporté vachement de flotte, donc c'est pas mal. Et si tu cherches où le coffre à bois, Burning, il est là. Là, devant moi, là. Là. Soit celui-là, soit celui d'à côté. Mais sinon, tu mets dans le coin. Hein. Voilà. Pour le rangement, il n'y a que la moitié des coffres qui sont pris au passage, hein, je le dis pour les viewers. Ici, on a un joli petit balcon. Voilà, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, je vais le montrer. Et du coup, on a pu commenter dans les véhicules. Donc, l'expert ici des quêtes, c'est Grizzix qui est devant nous. Voilà, ici, là. Lol. Comment ça, lol? Mais c'est toi l'expert. Tu vas nous montrer. Alors, excuse-moi, Falcon, du coup, je t'ai interrompu. Je t'en prie, je te laisse la parole, je t'écoute. Je disais, on a ainsi la responsabilité des quêtes sans son consentement. Oui, c'est Grizzix qui a la responsabilité des quêtes. Et il y a deux camps. Il y a les IFR, c'est ça, les autres, c'est quoi? La coalition. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Le plus proche, il me semble que c'est la coalition. En fait, ça dépend où on est. Est-ce que t'as pris les bidons, Burning? Oui, je sais où on est. J'ai pris un bidon et la coalition, ils sont sur leur bateau. Ouais. J'en ai aussi. Et les fers, ils sont sous le château. Pour voir de quoi on est le plus proche. On fait le plus proche. Ah non, pas, il y a Grizzix qui sort là. Oui, il faut fermer la porte après. Voilà, c'est bon. Falcon, je sais pas où c'est qu'il est parti. J'arrive, je saute. Voilà. Donc, lequel d'entre vous veut prendre la responsabilité de choisir? Moi. Ne laissez pas la porte ouverte, bordel, les courants d'air! On va faire la coalition en premier. je vois qu'il y a Burning qui s'est planté. Il est monté à l'escalier, il arrive devant un trou, il regarde. Ah, non, c'est pas là. Je t'ai vu, Burning, je t'ai vu! On y va, on y va pas? Ouais, on est chaud. Attends. Je me mets à côté. Et j'éteins ma lampe aussi. C'est vrai que les torches dans la maison, il faudra en mettre hein, quand même. Parce que là, mais après, ça risque de laguer aussi. On n'a pas pensé à ça, mais ça risque de laguer. Les fenêtres, c'est pareil, je trouve que ça fait laguer les fenêtres. Il y en a qui courent après le véhicule, c'est bon? Tout le monde est rentré. Vous avez pas fermé la porte? Tant pis. Pas grave. Il y a les fermées la porte. Il y a des zombies qui vont rentrer. Et ça va faire des courants d'air. Ah, oh, j'ai mon sac qui dépasse à droite. Et qui nettoie la poussière? Ah oui, c'est ton sac qui dépasse. C'est pas RP ça. Donc, je vous rappelle aussi, on est... Oh non, attendez! Il n'a qu'à sauter, là. Bah, il court après la voiture, laisse-le courir, après. Là, par contre, là, il y a des zombies, là. Où c'est que tu vas, là? Tu vas pas dans l'eau, là? Non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a le bateau de la coalition à côté. On va aller à la nage? Ouais, au plus près, là, je me dis. Ouais, bah vas-y, laisse-le dans le coin. Alors, si vous avez moyen de reprendre de l'essence, si ça m'arrangerait.
Parce que tous les véhicules ont le plein, par contre les bidons ils sont, bah, ils sont quasiment tous vides. Il y aura sûrement un réservoir. Donc... Bah voilà, prenez le. Prenez le maximum d'essence que vous pouvez. Toujours ça de gagner. Bien. Alors allons voir ce battle. Pendant que les autres. C'est bien d'avoir un hélicoptère. Pendant que les blérales arrivent. Parce que ce serait cool d'avoir un. Oui, je suis bien d'accord. D'où l'essence que vous avez sur vous, que vous avez mis dans un avion. L'objectif, avoir un hélicoptère, c'est parti. Oui, c'est un bel objectif. Eh, j'espère qu'il y en a un sur la map, un hélicoptère. Un avion, un hélicoptère, un truc comme ça. Quoi. Quand même. Non ? Oui, il y en a. Je pense, ouais. Par contre, j'ai pas fait d'héliport sur la maison. Ouais. On rajoutera si bah, le toit, ça suffira. Bah, mais le toit, il est en pente, tu sais. Ah bon ? Il y a un côté en pente, ouais, au milieu c'est en pente et vos chambres elles sont à plat. Et ben au pire, s'il y aura pas d'héliport sur le toit, excusez-moi. Ouais, pas de soucis. Le bateau qui fume, c'est vrai, il a rajouté ça aussi, le petit Nelson. Il y aura pas d'héliport sur le toit et on posera les hélicos à côté. C'est plat à côté donc. Oui, on va partir, ouais, oui, sinon on prolongera le balcon. Ouais, puis c'est dégagé, il n'y a pas beaucoup d'armes pour exploiter vraiment. Viens voir Grizzix, il y a un pote pour toi là. Celui qui a le visage que t'aimes bien. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit ? Enjoy you stay. Bon, thank you. D'accord, bah c'est tout. Coucou. Voilà, là, il y a marin lunette. Marin lunette. Je suis occupé, peux-tu attendre un peu ? Faut parler au capitaine. Lieutenant Michael. On va peut-être descendre dans la soute. Je suis occupé. Puis-je vous aider un peu ? Sure. Ah bah c'est tout, d'accord, il dit rien d'autre, bah ok. Il s'en bat les couilles, capitaine. Il s'en bat les couilles. Ah. Mais quand même, c'est étonnant qu'on rentre dans un bateau tout le temps inconnu, c'est la première fois, les mecs, tu connais même pas. Et, oh salut, ça va, bah pépouze, tranquille, vas-y, je te laisse faire le tour, bienvenue. Bah c'est à peu près ça. Bah, là, bon, regarde, lui, il a une belle tête de kigou aussi, bah c'est pas grave. Lui, par contre, il pourrait me proposer quelque chose ou pas. C'est que j'ai répondu intéressant, mais il n'a rien fait. Voilà, lui. Mais dès qu'on monte sur un navire, faut s'adresser au capitaine. Tiens, Grizzix, viens voir celui-là aussi. Tiens. Viens voir celui-là. Celui-là, il va te plaire, celui-là. Ah, ce visage. Je suis occupé. Est-ce que je peux vous aider? Sure. Ouais, bah, c'est sûr que c'est aider, c'est que wait. Ah, est-ce que vous pouvez attendre? Excuse-moi, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, c'est moi qui me plante. Leads et don't cause much. C'est quoi, Rucus? Bien pour vous, ok. On se prend que des vents. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, voir le capitaine qui est tout en haut au bord du bateau, je me trompe pas. Mais oui, il faut aller voir le capitaine. Non, bah, attendez, on va se faire tous les pénalités pour au final avoir aucune quête. Ne rejoins pas la coalition. C'est Propius, c'était quoi Propius? Avec des mensonges, il vous chope avec des mensonges probablement. À propos de. Cretness, c'est quoi? C'est. Ils vous font rêver, quoi, en gros, c'est ça? Et ils vous ont pris au piège, quoi. Ils vous ont menti. Ouais, il peut spot, quoi. J'ai rien compris. Oh, rien compris. Ce serait donc les méchants de la coalition. Mais non, mais c'est un prisonnier qui vous dit ça. Non, c'est pas. C'est le mec qui fait qu'il lave les trucs. Ah bon? Ouais, qui lave le pont. Ah, c'est triste, ça, par contre. Ah, mais c'était un prisonnier qui lavait le pont. Ah. Bah ouais, peut-être qu'il était plié. Ah. Je pense pas. Et le capitaine. Non. Si, le capitaine. Ouais, j'ai besoin de parler à Sir Thomas. Ah, si vous voulez rejoindre, parlez à Sir Thomas. All right, thanks, il dit. Il est où, Sir Thomas? Il est là, en face de moi. Tout en haut? Bah, on va rejoindre, on rejoint ou pas alors? Ah oui, amiral, d'accord, il y a le capitaine et l'amiral. Hello, vous semblez être une personne qui voudrait avoir une belle insigne pour la coalition, pour la cause de la coalition. Quel est ton nom? My name is Gadu. Yours, donc c'est-à-dire mon nom est Gadu et le vôtre. Gadu, c'est un beau nom. Je suis l'amiral Sir Thomas. Monsieur Thomas, peu importe. La tête de la coalition, de la Navy, de la coalition de l'Ouest. Nous servons tout autour de. Enfin, tout de. Ah, dans le Pacifique Nord. Dans l'Atlantique Nord, pardon. Sauvant les survivants et. Recivilisant les zones instables. Je sais pas si ça se dit, recivilisant, repeuplant peut-être, je sais pas. On va faire avec. Voilà. Nous préférons concentrer nos efforts sur l'Irlande, considérant que le nombre de bandits et de
considéré. Militaire, en fait. Ouais, de militaire, mais c'est pas considérant, en fait. C'est en considérant le nombre. Bon, bref, est-ce que vous avez entendu parler de l'IFR? C'est, ils sont, ce sont des bandits, c'est une cellule de bandits, en fait, une cellule terroriste, qui désire réunir l'Irlande. Ah bon, bah c'est bien, c'est plutôt positif, c'est grave. Très bien. Bunch of bad dudes, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Bah c'est une bande de mauvais mecs. Ouais, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Très bien, si vous voulez rejoindre, allez voir le capitaine. Mais on vient de le voir, il est dit de venir te voir. Oh, quel con. C'est comme à la mairie, hein, que des fonctionnaires. Il devrait vous filer une mission. Et si, vous voulez être recruté et avoir un grade. Voilà, en gros, c'est ça qu'il a dit. Voilà, hello, voilà, il recommence le même bordel. Là, comment on quitte là? Échappe? Ouais, ça marche. Ok, lui, j'ai pas parlé là, à Suan. Ah oui, major, il me dit, ouais. Ok, d'accord. Bah, on s'en fout. Allons voir le capitaine. Allons voir le capitaine. Yavol. Que est-ce que Thomas vous a parlé? Oui. De quoi avez-vous besoin? Bah, c'est ça que je vais répondre. Ah, bah voilà, il faut retrouver. Alors, j'aurai la tenue si je fais quoi? La coalition est en train de se battre avec l'IFR stationné à Belfast. Ça tombe bien, on n'est pas loin. Il faut tous les tuer et checker la situation on the battlefield, sur le champ de bataille. Il faut tous les tuer, où est-ce que t'as vu ouais, ça toi? Bah c'est ça. Bah get over there. Get over there, ça veut dire pas les dégager? Non, c'est pas ça. Bon, en gros, faut qu'on aille voir la situation ouais, à Belfast. Peut-être juste aller voir, effectivement. Et bah j'accepte, bien sûr. Alright. Ne vous attendez pas, c'est quoi chérie Je sais pas ce qu'il veut dire. Gunshoot. Ah. Nous devrions entendre des coups de feu d'ici. Oui, parce que normalement ils se battent contre l'IFR. Oui, c'est à peu près ça. Voilà, après ils me reposent la question. Moi je m'en fous. Donc, on doit aller check out Coalition Outpost. Donc, il faut aller voir le poste avancé de la coalition à Belfast. Ah, c'est tant mieux, c'est juste à côté. Bah oui, c'est tant bien. Plouf. C'est pour Mickey qui arrive. Oh, il y a un bruit sous l'eau. Ouais, il y a un bruit sous la flotte. Ou là, c'est parce qu'il y a une saloperie qui vient nous rejoindre. Alors, non, hey, c'est, il y a un bruit sous l'eau. Non, pour info, je suis déjà plongé, et notamment tout à l'heure, il n'y avait pas ce bruit-là. On est d'accord? Si, il y avait ce bruit-là tout à l'heure. Oui. Ouais. C'est pas la map qui fait ça? Alors, il y en a un qui va se noyer, un Falcon là, qui est au fond de l'eau. T'inquiète, j'ai un masque à gaz. Un masque à gaz, un tuba. Ah ouais, donc ça t'aide un peu, mais ça te... Je suis à 50% là. D'accord, très bien. Je pense que je vais arriver sans sortir de l'eau. Très bien, très bien. Moi, j'ai pas mes skills là, de... Moi j'ai des skills d'agriculture, forcément pour l'agriculture. Je dois avoir des skills d'exercice, de stamina quand même. Mais pas de sous l'eau quoi. C'est ballot ça. Hein. Tout le monde s'en fout, c'est pas grave. On n'a pas trouvé au fait de citerne. Vous avez parlé d'une ouais, citerne. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais je pensais qu'il y en avait sur le bateau, il n'y en a pas. Oh, ouais, il n'y a rien sur le bateau. Hein. Il n'y a rien, il n'y a aucun drop, il n'y a rien. Non, mais il y en a à Belfast, je crois. Ben on va aller voir ça. Et il n'est pas très beau ce bateau. Ah ouais, non. Mais bon, c'est pas un bateau de combat. Hop. J'arrive. La pièce est à côté. Ah bah non, attends, nous on est des feignasses, attends. Oh. pas dans l'eau, hein, pas dans l'eau. Mais ça c'est où à côté pour eh, ça sent la flotte. Bah c'est la ville qui est à côté là. Non, c'est celle-là. Ah oui, si t'as raison, c'est celle-là, ouais. Oui, c'est d'où on vient, l'épisode 5, tout à fait. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai pas de map. Hein. Moi c'est j'ai juste devant toi là. Moi j'ai un GPS. Et bah conduis pas là. Devant moi. C'est juste ah ouais, là, c'est, ouais, la, ville. C'est, ouais, c'est la ville tout droit. Par contre, tu te gardes pas tout près parce qu'il y a les zombies. D'accord ? Non, hein, moi je suis devant. Ah, c'est bon là. Ouais, j'aime pas trop les routes parce que c'est un coup à bugger aussi les routes. Mon alors, dieu, les IFR ! Tchourlé ! Ouais. Alors, sortons le coutal militaire, je rappelle, pour économiser les balles, contrairement à vous qui les gaspillez. Moi je gaspille pas, moi. Personne n'a tiré, mais bon. Va les voir avec un béret d'IFR là-bas, tu vois. Je prends le chapal. Ah bah, tant qu'on y est, farmons aussi un petit peu, hein. Alors, ma quête n'est toujours pas validée. Hein. Il y a une belle arme là, ouais. Non, parce qu'il faut aller voir le poste de la coalition. Là, on est chez DFR là encore. Ça lag aussi un peu. Donc... Alors, attention, là tombent bien les zombies. Essayons de prendre encore un peu d'XP. T'es sur Kosovo, ça en fait rien. Ouais. Ah, je vois quand même beaucoup de zombies IFR pour très peu de zombies coalition. Hein. Bah, récupérons du matos encore une fois. Hein. L'XP est toujours bon à prendre, donc au pire. Hein. Oula, attention Falcon, t'en as un qui est allongé. Il y a d'autres qui arrivent, attends. Ouais, tiens, lui il m'a graillé l'enfoiré. Heureusement que j'ai mes skills aussi de survie. T'es sur quoi ce soir là?
meurs. Voilà, c'est bon. Ah, mais j'ai une headlamp. Ah, j'ai trouvé la base de la coalition. On va récupérer un petit peu le stuff. Oh, un cross. Ah, il faut... Un cross. Un cross quoi? Une crosse ou un cross? Non, un cross. Tiens, il faut une batterie. C'est où la base de la coalition? Elle est là où je suis là. On va récupérer une batterie, t'inquiète pas. Récupère tout ce que tu peux, Grisix. Mais... Là, the rien. Game crashed. Eh ben. T'es sérieux? Je vais redémarrer, c'est pas grave. Oh là 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 là. Hunter. Hunter. Pourtant, les. Franchement. J'ai vraiment pas de chance. Bon, ça c'est fait. Donc, il est où ce poste avancé là? Là, là, c'est ici. Là où Bernie, où je suis. Ouais, il y a encore des zombies là. Il y a encore des zombies. Oh, j'en ai marre là. Il y en a même beaucoup là. Donc, faut peut-être faire quelque chose. Oh la vache, il y en a qui étaient. Oh la vache, ils sont de brûle là. Les gars. Laisse-moi l'XP, c'est bon. Couché, Bernie. Non, pas grenade. Attention, il y en a qui est couché, ouais. Ouais, alors par contre, tu fais mal. Saleté, là. Donc, ah, attention, il y en a un autre qui est couché là, justement. Non, moi aussi, j'ai pris un dégât, tiens. Je sais plus qu'il y a 18% de vie. Je suis plus moins jeune parce que j'ai pas mangé. Ouais, alors attends, je vais m'éloigner, moi, le temps. Tiens, on peut crever aussi vite fait, hein. Je prends quand même les conneries, voilà, c'est bon. Hop, je m'éloigne un petit peu et je mange pour me régène. C'est toujours plus économique que d'acheter des médicaments, enfin de prendre des médicaments. Et regarde devant moi. T'égoûtes hein, de voir des gens qui utilisent leur bandage. Hein. Bah ouais, c'est du gaspillage. Qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi t'as fait ça? Pour aller plus vite. Mais j'allais me régène. Ça va trop lentement. Ouais, mais de toute façon. J'ai pas là, ici. La bouffe et la soif, de toute façon, t'en as besoin. T'en as besoin de toute façon, donc d'une manière ou d'une autre, tu vois, c'était à faire. C'est pour ça que moi je me régène avec la bouffe. Il faut que tu lises le rapport. Ah, comment tu sais ça, toi? Alors, que j'ai lu. Le 20 avril, c'était il y a pas longtemps, j'ai commencé à penser que c'était une idée folle de se battre avec ces folk irlandais. Ils combattent fierceur, ça veut dire quoi fierceur? Ils combattent plus quelque chose que nous. Si seulement on avait un navire de guerre, un gunship ou un véhicule de guerre. Gunship? Un mitrailleur? Gunship, non, c'est bateau de guerre, ouais. C'est ça? Bateau de combat. Ah! Ma quête a disparu! Oui. Et bah, du coup, il n'y a plus qu'à retourner voir le capitaine. Alors. Bah, du coup, maintenant, là, il faut aller expliquer ce qu'on a vu. Ah, bah oui. Pour eux, ils étaient encore en train de se battre. Alors qu'en vrai, bah. Ils se sont fait ouvrir la bouche. Quelqu'un aurait à boire? Oui, il me reste une boisson si tu veux. Tiens, je veux bien. Je donne ça. Une belle grosse boisson en plus, hein. Ah, ça. Oh là là. Elle est bien celle-là, hein. Ah, tu vas régène, tu vas voir. Puisqu'on y était, il n'y a pas de pharmacie dans le coin? Tant qu'à faire? Non? Je sais pas. Oh, ça peut passer ici. Ok. Bah, juste un check pour voir pour la pharmacie. Pour les soins, parce qu'il y a Kaya qui nous prend tous les soins quand même, ce serait dommage. S'il y a un peu de bouffe aussi, hein, prenez, hein, tant qu'à faire. Mais je crois que vous avez déjà fait le tour. Ah, non! Il y a une barre chocolatée. Ceci dit, avec nos légumes qu'on a, normalement, c'est pas un problème. Bon, on y va, on retourne voir le capitaine. Parce que j'ai pas trouvé la pharmacie, je crois qu'il n'y en a pas. Grisix, par contre, va repop dans le bordel. Ouais, mais je pense que je vais me TP. Enfin, je vais d'abord lui ouvrir une PC pour faire la quête. Oui. Et ensuite... Bernie, on te laisse ou je me TP parce que bon... Non, j'ai rien. Non, mais c'est... de toute façon, oui, te TP, c'est histoire de pas perdre de temps, parce que t'es à côté, de toute façon, tu risques pas de crever. Ce que j'espère, c'est que quand tu vas pop, tu vas pas te faire grailler direct. Parce qu'à tout temps, ouais, c'est vrai ça. Ouais. Ah, les crashs d'Hunter. Pas à la flotte, Falcon, hein, s'il te plaît. Hein. À la flotte? Ah, d'accord. Non, pas à la flotte, justement. Putain, s'il plante la voiture, alors là. Bon, franchement, tu plantes la voiture, tu dégages, tu rentres même pas à la maison. C'est ça. Ouais, je suis reco. Mais j'avais crash sur une échelle et ça m'a remis sur l'échelle. Pas nice. Moi, savoir ça. Ah ouais, c'est de la remis. Oui, bah oui, en même temps, t'avais la même position, donc forcément, il s'est raccroché dès que t'es réapparu. Il a déco sur une position précise, et vu qu'il s'accroche tout seul... Tu fais ça dans l'arc, par contre, t'es par terre, hein, je te le dis de suite. Hein. Mais tu vois, j'étais persuadé que j'allais retomber. Et en fait, bon, non. Pourquoi on n'a pas cherché un bateau, au fait? Je suis sûr qu'il n'y en a même pas de bateau sur la map. Bah... ouais, je pense. Allez, second objectif, trouve un bateau. En plus de l'hélicoptère. Ah, c'est long de... Ouais, alors c'est vrai que l'hélicoptère est une priorité aussi, hein. Parce qu'avec l'hélicoptère, on pourrait aller n'importe où super rapidement. Ce serait con de pas l'avoir, vous croyez pas? Bah... si, c'est ultra pratique, l'hélicoptère. Bah, c'est ça. Après... comment c'est qu'il y en a un qui nage super vite, là-bas? Ah oui, parce que t'as des skills en nage, toi. Je pense. Non, c'est pas ça.
Ouais, j'affirme, ouais. Vous êtes jaloux, c'est ça? Un petit peu. Oh. Un tout petit peu. Dès qu'on a fini avec la coalition, on peut aller essayer de trouver un hélico. Ouais, mais attends, on va peut-être pas terminer comme ça avec la coalition aussi en deux secondes, hein. Monsieur. Bon, il est où? Il est où le capitaine? Ah, il faut grimper, ça. Non, t'es de mauvais sens. Que il est où le NPC à qui vous avez parlé? Ah. Non, c'est pas un NPC, en fait, tu vas dans la tente de la coalition, et sur la table directement à droite, il y a un papier. Ah, il faut lire le papier? Ouais, ouais. On a été promu, on a eu notre uniforme, ouais, bonne chance. C'est notre seul avant-poste, in the mainland, donc je sais pas ce que ça veut dire, in the mainland, la terre classique. We need to step up your game. Nous avons besoin de quoi? Step up, c'est-à-dire quoi ça? D'améliorer votre jeu? Step up ou step up? C'est setup. Setup quoi? Bah, il y a quoi à écrire juste? Ah, trop tard, j'ai passé. Bon, j'ai été promu, voilà. Si je vous ai donné votre uniforme, bonne chance out there. Good luck out there. Ok, d'accord, ouais. Et on doit faire quoi? Normalement, le haut de la coalition est plus grand que celui que t'as, Gadu. Ah, en taille? Ouais, je pense. Bah, tu sais quoi, je vais vérifier de suite. Le pantalon, que... j'allais voir, parce que le pantalon est moins bien. Ouais, le pantalon, c'est de la merde, mais le haut, il est meilleur, je crois. Et le haut, j'ai 3 sur 6. J'ai 3 sur 6, c'est la même chose. La même chose. Ouais, ah, ouais. Bah, alors je me suis fait douiller, moi. Bah, ouais, peut-être. Ouais. Pourquoi j'ai enlevé mon haut de militaire pour mettre ça, alors? C'est pile la même chose. Bon. Bref, puisqu'on a fait ça, maintenant il faut aller voir l'autre guignol, peut-être, pour qu'il nous redonne un truc. Je suppose. Non, pas le capitaine. L'amiral. Là, c'est l'amiral qu'on a là. Major a l'air d'avoir besoin d'aide. Ouais. Major. Le major. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Trouver 3 boîtes. Il vous faut quoi? C'est ça qu'il est en train de dire. Non, il y a un member. C'est bien quoi tout ça là? Bon, on doit trouver des boîtes. Il faut trouver 3 boîtes, effectivement. Ah, c'est pour la radio. Ouais, bonne chance. Okay. Il dit qu'à Cork, il y a eu à. Et Cork, c'est loin ou c'est pas loin? Bonne chance. Ouais, c'est loin, Cork. You could be anywhere in Ireland. Ils peuvent être n'importe où sur l'Irlande. Bah, pourtant, ils viennent d'aller à Cork. Il dit qu'il y en a une à Cork, mais les autres, après, les autres, c'est pas. Oh la vache, ça, c'est une mission de merde à faire alors, ça. C'est quoi qu'on a trouvé? Des boîtes. On a un beau sniper ici. Il dit des boxes. Donc des boîtes. Des boîtes. Ce qu'on peut faire, c'est aller à Cork, récupérer la boîte de Cork. Ouais, mais à quoi ça ressemble. Elle est super loin. Tu veux qu'on y aille? On y va. Au moins, on récupère la boîte de Cork, comme ça, au moins, on sait à quoi ça ressemble. Et quand on en croisera d'autres, on saura. Eh ben allons-y. Attends, je sais pas du tout comment on y va à la Cork d'ici. Mais j'ai pas attends. Dans mes skills, là, comment on augmente là, la vitesse de natation? Diving, c'est pas ça? Non, je crois que c'est mes skills pour courir, je crois. Non, c'est bien diving. Voilà, je suis niveau max juste pour nager plus vite, mais c'est pas grave. Le reste, je vais mettre en mettre ça, un petit coup de ça, voilà. Allez, bref, ça c'est fait. Moi je trouve énormément de choses. Voilà, là j'allais beaucoup plus vite là. Tu trouves énormément de choses, ah oui, dans la ville? Ouais, c'est comme si vous n'avez pas à farm en fait. Ça a du repop parce que moi j'en ai pris plein sur moi. Il y avait plein de trucs qui étaient par terre que Falcon a dû laisser parce que ça n'intéressait pas. Notamment des armes. Lui il a une arme vite, il jette Falcon, tu sais. Des gendarmes. un petit gun, un petit flingue. Ouais, bon, il y en a tellement à la base, je me suis dit, ça sert pas à grand chose. Eh ouais, mais il y en a à la base parce qu'on les ramène. C'est ça. Et tu jettes toutes les armes, il y en aura de moins en moins à la base. Et tant que j'ai de la place dans mon inventaire, je ramène. Après, on verra ce qu'on fait avec. Mais vous avez vu, hein, tout sert à la base. Hein. Le close, comme disait, oh, c'est débile, on s'en bat les couilles, machin. Ouais, bah heureusement que j'ai fait un coffre de close hein, pour faire la lit. Je me rappelle. Ouais, mais si tu les fais quand on a vraiment besoin, bah, tu les as. Non, mais en fait, le truc que j'ai peur sur Falcon, c'est que on meurt tous par exemple avec un boss, une connerie comme ça. On revient à la base, y'a plus rien. On peut même pas revenir chercher notre stuff, on est à poil. C'est pour ça que je préfère, tu vois, avoir au moins un rechange. Et pas dans les flottes. Ouais, Falcon. J'ai rien, Gordy. Ah, attends-moi. Voilà. On prend passage, Grésix. Hein? Ouais, enfin, j'aimerais bien aller remplir la quête, là, mais je trouve pas ce putain de papier. À l'arrière, dans la maison de la coalition. Attends, dès que tu rentres par l'arrière à droite, attends. Maison de la coalition. On va passer devant, on va passer devant. Vas-y, Falcon. Au bord de mer. Vas-y. C'est au bord de mer en fait. Donc on va passer devant, on va te montrer où c'est, comme ça tu l'auras fait. Par contre, en fait, c'est une tente. Nous on est revenu du bateau, hein. Faudrait que tu t'ailles tout seul dans le bateau. Ouais, y a un zombie là qui est là, on s'en fout. Voilà. Non. Est-ce que tu le vois? J'ai trouvé une AK. Est-ce que tu vois où on est là? Je vous entends.
Bah c'est... Oula, 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 le véhicule Falcon. Vous avez pas d'amener de blowtorch? Je suis là. C'est quoi la maison de la coalition? C'est la maison blanche, c'est la maison blanche. Regarde la maison blanche. La maison blanche. Là, là. En fait, à l'arrière, il y a un... Ah, et ici. Tout à fait, Thierry. Il y a deux mecs allongés, il y a deux dans la merde, là. Falcon? Je crois que j'ai plus dit game. T'as déconnecté, là? Bah ouais, je déconne parce que j'ai prise. Dans le doute de voir les avoir. Crève! J'ai eu 5 coups pour crever, assure. Eh les mecs, j'ai bien un coup de main. Hein. Fais gaffe, ils font mal là, Burning. Hein. Tiens, j'ai pris un coup encore, là, fais chier. Excusez-moi. Ah ouais, mais avec ma masse, je peux taper de beaucoup plus loin en fait. Voilà. Ah, ouais. C'est de la merde les coups de l'Inter. Il a donné quoi? Un pick-up lieutenant coalition top. Bah, je prends. Ça va toujours mieux. Bien, alors Falcon, la Falcon aura pareil, il n'y a plus de zombies. Ça, c'est fait. Tiens, Falcon. Bon. J'ai tout fait moi tout seul, les gars. Tiens, tu passes grade supérieur. Tiens, encore un coup de militaire. Du militaire, super important ça. J'en mets la lumière hein, pour vous les viewers. C'est vrai que quand des gens voient pas grand chose, il y a un sac. Je prends le sac, on ne sait jamais. Parce que s'il faut rembourser tout le stuff que Kaya perd. Hein... il est pas là. Le pauvre. Bon, on y va ou quoi? Les absents ont toujours tort. Où est la voiture? Ah, la voiture, tu l'as abîmé. 77%. Les gars, c'est dans ta tête tout ça. Voilà, ouais, vous avez vu, hein, je fais très attention, je suis très économe. Falcon, lui, il arrive, il défonce tout, il pète la bagnole. Faut me dire au fer ou pas? Pourquoi on est que 3 dans la voiture? Bah, Gazix, il est parti sur le bateau, je pense, Gazix, non? Gazix? C'est bon, je suis là, j'arrive. Ah, non, en fait, il est pas dans le bateau, il est en pleine ville, en fait. Ouais, mais Gazix, t'as pas fait la quête du bateau, comment tu veux qu'on fasse? Si, je tant pis pour lui, tant pis pour lui. D'accord, ok. Bah, attends, mais attends, on l'attend. On l'attend. Et tu sais ce que j'ai proposé, même, Burning? Tu devineras jamais. On abandonne Grisix. Non. Effectivement, go. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Tant mieux. On va se laisser ici. Ah. Oh, alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, tweeter, partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.